Souvenez-vous de l'événement Travis Scott sur Fortnite, c'était totalement incroyable. D'ailleurs, en parlant de l'événement, il y en a qui l'ont peut-être jamais vu ou qui n'en ont jamais entendu parler alors que c'était le plus bel événement Fortnite. Malheureusement les gars, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. La nouvelle est vraiment triste les gars et je vais tout vous expliquer en détail pendant la vidéo, donc regardez-la bien jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. L'abonnement c'est gratuit, vous appuyez sur le bouton rouge et n'oubliez pas la cloche des notifications. En ce moment, on rush les 1 million d'abonnés, donc n'hésitez pas à t'abonner avant le million, ça fait plaisir. En plus, il y a des vidéos tous les jours, actuellement je suis en daily upload et grosse dédicace à toutes ces personnes qui se sont abonnés à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications. Donc si tu veux passer en prochaine vidéo comme eux, abonne-toi. Et aujourd'hui, seuls les joueurs qui connaissent le skin Travis Scott ont le droit de liker cette vidéo. Comme il y a des vidéos tous les jours, n'hésitez pas à me soutenir avec le code créateur. Mon code créateur, il est super simple, c'est PJP. Vous êtes actuellement plus de 40 000 à me soutenir, merci beaucoup. Ça me soutient énormément pour continuer le daily upload. Et en plus de ça, les gars, vous connaissez, code PJP pour pécho sa crush. Aujourd'hui, on va faire un petit spawn qui change d'habitude. J'ai envie de faire Grassy Grove, j'avais jamais fait. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas sorti mon skin pour rien. Vous voyez que j'ai le skin Travis Scott, j'ai planeur Travis Scott, j'ai même la pioche Travis Scott. C'est pas pour rien les amis, car l'heure est grave aujourd'hui. J'ai des informations qui risquent de pas vous plaire à vous donner. Bon, par contre, il y a des ennemis sur moi, je vais vite récupérer une arme. Oh, il est là, je l'ai vu. Allez, meurs, 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 meurs. Il y a un joueur sur moi là encore, je le vois, il est là. Moins un, là-bas aussi. Il est caché dans le bush, je crois que je le vois pas. Allez, KO. Un mec là-bas aussi, mec, il a tellement de monde à graisser, c'est fou. Oh, ça va, le pompier fait le taf. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tri dans Grassy. Les gars, il y a eu énormément de fights dès le début de game. Du coup, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas le skin Travis Scott, c'est très simple. Il y a eu un événement Travis Scott en 2020, c'était il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous avez connu cet événement, les gars, mais il était vraiment incroyable. C'était le plus bel événement de Fortnite. Pour moi, même 2 ans après, ça reste l'événement le plus joli à regarder sur Fortnite, le plus incroyable. Genre vraiment, c'était le GOAT événement. Je pense que vous avez compris le titre de la vidéo. Travis Scott, les gars, a été supprimé du jeu. Attention, c'est pas comme vous le pensez, les gars, parce que là, je joue le skin, mais c'est supprimé d'une certaine manière. Déjà, il faut savoir que l'événement, comme je vous l'ai expliqué, il a fait le record de Fortnite. Pendant l'événement, les gars, dites-vous qu'il y a eu le record de joueurs connectés sur Fortnite. Comme vous le voyez sur l'image, il y a eu un total de 12 700 000 joueurs connectés simultanément pendant l'événement. Donc là, vous allez me demander pourquoi Fortnite vont supprimer un skin si c'était l'événement qui a eu le plus de joueurs. En plus, c'était l'événement le plus hype, les gars. Pourquoi supprimer le skin en rapport avec cet événement? Surtout que c'était l'un des skins les plus vendus. Comme vous voyez sur cette image, il y a eu les Marvel, Brand 9, Brand 8 et il y a eu Travis Scott juste ensuite. C'est littéralement un skin qui a rapporté des millions à Fortnite. Genre vraiment, ce skin a été tellement vendu les gars, je sais pas si on se rend compte mais Fortnite ont supprimé l'un des meilleurs skins qui a été vendu sur leur jeu. C'était le plus bel événement de Fortnite, il y avait tout un tas de paramètres pour que le skin ne soit pas supprimé du jeu. Et malheureusement, encore une fois je le répète, le skin est actuellement supprimé de Fortnite, il ne ressortira plus jamais. Alors là je pense que vous êtes un peu dans l'incompréhension et vous voulez un peu des réponses et c'est normal. Déjà il faut savoir qu'il y a un an de ça les gars, à peu près 6 mois après l'événement, on a trouvé dans les fichiers de jeu une variante à Travis Scott. Voici à quoi ça ressemblait. Sincèrement c'était super stylé les gars, c'était une petite variante supplémentaire. On parle pas d'un skin en plus les gars, c'était le même skin actuellement que je joue, sauf que là du coup il y aurait une variante où on aurait pu mettre une casquette, un petit manteau, un truc assez stylé. Je vous spoil rien de spécial, la variante n'est jamais arrivée, elle était déjà disponible, elle était développée à 100%. Fortnite n'ont pas mis la variante. Cette variante elle était censée être disponible quand le skin revenait dans la boutique, car oui les gars, vous le savez, chaque skin Fortnite sort 48 ans dans la boutique et il revient par la suite. En gros le skin Travis Scott il est resté une semaine dans la boutique le temps de l'événement quoi, et ensuite il n'est jamais revenu. Actuellement le jour où je fais la vidéo ça fait déjà 2 ans et 2 ans que le skin n'est pas revenu, et comme je le répète il reviendra sans doute jamais, je vais tout vous expliquer. Du coup cette variante que je vous ai présentée juste avant, elle était censée venir quand le skin revenait dans la boutique. Car oui, forcément, Fortnite, c'est l'un des skins les plus vendus. Il allait forcément revenir à un moment. C'est exactement le cas avec Marshmallow. Marshmallow, il a été énormément vendu. Il est revenu d'ailleurs il y a quelques jours. Et malheureusement, Travis Scott ne reviendra jamais. Fortnite ont travaillé sur cette variante pour rien. J'aurais vraiment aimé pour vous, la communauté, qu'il revienne un jour. Car forcément, vous auriez pu débloquer le skin plus une variante en plus avec gratuite. Je pense que la question que vous posez en regardant cette vidéo, c'est Power, raconte-nous pourquoi le skin ne reviendra jamais. Qu'est-ce que tu racontes? J'y arrive tout de suite. Mais avant de vous raconter ça, sachez que même une émote de Travis Scott était développée, était censée sortir quand le skin revenait. Oh, genre, il y a un joueur là qui se cache dans le... Il y avait un joueur dans le bonhomme de neige. Par contre... Gros coup de balle. Ouais, mais il y a combien de joueurs sur moi là? Allez, ça dégage. J'étais en train de vous parler d'une émote, les gars, et c'était l'émote Jump qui était développée dans les fichiers de jeu. C'était censé être une émote Econ à 500 V-Bucks. Et je vous apprends rien, les gars, encore une fois. Cette émote, elle est encore restée en stade de développement et ne sortira encore sans doute jamais. Si on récapitule, Travis Scott, c'est l'événement le plus joué, l'événement le plus hype, l'un des skins qui a rapporté le plus à Fortnite. En plus de ça, ils ont prévu de le ressortir dans la boutique avec une variante. Ils avaient même en plus prévu de faire une danse bonus dans la boutique. Et malheureusement, les gars, ça fait énormément de développement sur un skin qui ne ressortira jamais. Il y en a peut-être qui sont jeunes et qui n'ont pas trop suivi les actualités
parler de Travis Scott, mais Travis Scott a fait un concert il y a quelques mois. Je vais pas vous raconter en détail les amis, mais dans ce concert il y a eu tout simplement des blessés, des morts, etc. En fait il y avait trop de monde. Encore une fois, je m'y connais pas à 100% dans le sujet, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais en gros le concert a mal tourné et il a annulé toute la tournée. Suite à ça, forcément Travis Scott s'est fait énormément insulter sur plein de réseaux différents. Et quand ça s'est passé il y a quelques mois, vous aviez l'option de rembourser le skin Travis Scott sur le jeu Fortnite. Je peux comprendre car il y a des fans de Travis Scott qui étaient un peu dégoûtés de l'image de Travis Scott et ils voulaient plus avoir le skin Travis Scott sur leur compte Fortnite. Et d'un autre côté, c'est compréhensible. Et du coup, à l'heure actuelle, vous avez encore la possibilité de rembourser le skin Travis Scott. Vous envoyez une demande à Fortnite où vous allez dans les tickets de remboursement et vous avez encore la possibilité de le rembourser totalement gratuitement et vous récupérez vos V-Bucks. Bien évidemment, vous récupérez vos V-Bucks, mais vous perdez le skin. Donc je vous déconseille de le faire, ne le faites pas. Si vous effectuez le remboursement, les gars, je l'expliquais, vous allez quand même perdre un skin super rare car il ne reviendra plus dans la boutique. Et c'est pas moi qui le dis, les gars, c'est Fortnite qui officialise comme quoi le skin n'est plus entre guillemets représenté en tant qu'icône sur Fortnite. Sur le Discord officiel de Fortnite, on parle vraiment du Discord officiel avec des millions de membres, ils nous demandent de choisir notre skin icône préféré de 2022 parmi tous les skins qui existent déjà sur le jeu. Et comme on peut le voir sur l'image, il y a Loserfruit, Ninja, Lachlan, en gros tous les skins de rareté icône, même Neymar. Ils ont vraiment mis tous les skins, les gars. Sauf bien évidemment, vous le voyez, Travis Scott. Travis Scott n'est même pas affiché sur l'image, ça veut dire qu'il n'est même plus représenté. Dites-vous que tous les skins icônes que vous voyez sur l'image ressortiront dans la boutique cette année 2022. Mais par contre, les gars, le skin Travis Scott, c'est mort de chez mort. Le skin ne ressortira peut-être plus jamais. Si je donne mon avis à moi, les gars, pour moi, il y a presque aucune chance que Travis Scott revienne un jour sur Fortnite. Encore une fois, Fortnite le laisse sur le jeu, bah voilà, bah parce qu'il est déjà sorti, il y a eu un événement, etc. Ce serait un peu dégueulasse de le supprimer totalement. Mais le ressortir dans la boutique, les gars, n'y comptez pas. Je pensais même pas dans les projets de Fortnite. Dites-moi dans l'espace commentaire si on a qui possède le skin Travis Scott. Bonne nouvelle pour vous, vous possédez un skin super rare. Quand je dis le skin Travis Scott, bien évidemment, ça va de soi. Je parle du skin, de la danse, aussi de l'autre skin avec la planète. On parle vraiment de tout l'ensemble Travis Scott. C'est pas que le skin qui reviendra plus. Donc si vous avez au moins un objet ou tout le pack, bah bonne nouvelle pour vous, vous avez quelque chose de super rare dans votre casier. Et bien évidemment, vous pouvez encore le rembourser. Si vous décidez de le rembourser ou vous voulez récupérer des V-Bucks, bah c'est une technique comme une autre. Mais après, malheureusement, vous perdez quand même quelque chose de rare. Il y a aussi des chances que le skin ne ressorte plus à cause aussi de problèmes de droits d'auteur. Car forcément, Travis Scott il fait des musiques, il y a eu des soucis de droits d'auteur, etc. Mais ça encore, c'est que des théories. Moi, je pense vraiment que c'est en lien avec les événements qu'il y a eu lors de son concert et tous les problèmes, etc. Peut-être que Fortnite vont changer d'avis dans le futur, mais j'y crois pas du tout, sincèrement. Allez, il est temps que Travis Scott fasse un petit top 1 dans le chapitre 3 maintenant. Il a pris une balle. Ok, let's go. Oh, let's go. Wow, magnifique le top 1. Le petit top 1 avec Travis Scott, ça fait plutôt plaisir. Maintenant on se retrouve sur mon compte Fortnite. Je voulais quand même vous montrer les skins supprimés. Encore une fois, si t'as ces skins dans ton casier, mon ref, t'es vraiment bien, car c'est assez rare. Déjà bah on va commencer forcément avec Travis Scott version feu. Voilà, donc c'est la petite variante, ça reste le skin. Et là du coup il est en version totalement basique. Voici à quoi ressemble le skin de base et il est plutôt sympa, on va pas se mentir. Il y avait aussi un pack, les gars, pour ceux qui l'ont acheté, mais je pense que vous êtes beaucoup moins à l'avoir acheté. C'est le skin Astro Jack. Voilà, c'est avec la petite planète. Pareil, celui-là, les gars, là c'est en version vraiment stylée, mais il y a une version aussi un peu plus basique. Elle est juste là. Non, franchement, les gars, les skins, je suis dégoûté pour vous, la commu. Je pense vraiment que vous aurez été beaucoup à les acheter en plus, hein. La pioche, je sais plus si elle était payante, je crois que ouais. La pioche aussi, les gars, elle fait partie de Travis Scott. Il y a le planeur aussi, c'est 6 clones Astro World. Et celui-là, les gars, il était gratuit, il fallait juste faire l'événement. J'ai quand même montré les sacs à dos car il est stylé. Voilà, il y a le petit sac à dos que vous voyez là que j'avais dans la vidéo. Et là, ensuite, il y a la petite planète, elle est vraiment trop bien. On peut mettre une version orange, une version rose ou une version bleue. Ouais, c'est pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner avec le bouton rouge et la cloche des notifications. Et n'oubliez pas le code PJP pour me soutenir. C'était Power, ciao les refs.